ونفخ في الصور فإذا هم أهل وصدق المرسلون النم التي كنتم توعدون كان حيا ويحق القول على الكافرين Le communiqué de l'Union de l'Organisation musulmane de Genève qui réunit les gens des crimes terroristes qui ont secoué la communauté musulmane en Nouvelle-Zélande. Nous, nous condamnons toute forme de violence contre les musulmans et contre toutes les autres communautés, contre l'idée que des gens peuvent se donner le droit de tuer au nom de leurs idées. Des idées étroites, des idées qui sont nuisibles à l'ensemble de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous devons, nous, en tant que personnes rassemblées ici, mais à travers vous également, où va-t-on? Quel est le but de tout ça? Il y a quelques années, il n'y a pas plus. En France, il y avait plein de Charlie. Où sont ces Charlie? Où sont les Charlie? Où sont ces Charlie? J'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Tout le temps. Nous, en tant qu'organisation internationale des droits de l'homme, on n'a jamais voulu qualifier terrorisme et islamisme. On a toujours dit le terrorisme, c'est juste du terrorisme. Il n'y a pas de religion dans le terrorisme. Et aujourd'hui, que dois-je dire? 500 personnes ici sur cette place, symbolique. Merci. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le double attentat islamophobe survenu à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Lors de la prière hebdomadaire du vendredi, qui a causé 50 morts, 50 fidèles qui étaient en train de faire la prière, dont des enfants. Et ça, c'est le plus terrible. Et fait des dizaines de morts, de blessés. Le terroriste d'origine australienne, connu pour ses convictions islamophobes, a minutieusement préparé son acte, car il est allé le filmer et le diffuser en direct, comme vous avez pu le voir. Nous avons été tous plus que choqués tellement sous pression d'intérêts politiques de trouver un bon chemin tous ensemble. À chaque fois, on est pointé du doigt, à chaque fois. Notamment avec, récemment avec la nouvelle loi sur la laïcité qui vient d'être passée ici à Genève, qui interdit le port de signes religieux. التي تكفلها القوانين ومنظومة حقوق الإنسان وكل منظومة حقوق الإنسان تكفل حرية المعتقد وتكفل أن يمارس أي متدين سواء كان يهودي أو مسيحي أو مسلم أن يمارس حقه في التدين وأن يمارس حقه في شعائره الدينية